bien oui, le voici donc au stade du Hesel, un stade du Hesel chauffé à blanc pour ce match très important, comptant pour le groupe 2 des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un groupe qui réunit outre la France et la Belgique, les Pays-Bas, l'Air et Chypre. Un match capital pour les deux équipes, mais assez paradoxalement, Jean-Michel Marquet, plus pour la Belgique que pour la France. Oui, puisque la Belgique, eh bien, c'est sa dernière chance, une chance de choix, bien entendu, puisque ce soir, si les Belges arrivaient à battre les Français, ils auraient pratiquement en poche leur billet pour le Mondial. Au milieu du terrain, Vercauteren numéro 6, Wilfried Van Moor numéro 8, 49 sélections et 36 ans, le numéro 10, Ludo Koop, et devant, Vandenberg le numéro 9, Jan Kullmans le numéro 11, et de libéraux. En milieu de terrain, en l'absence regrettée de Jean Tigana, Michel Hidalgo a fait confiance au trio Moisan, Girès et Larios, alors que le coup d'envoi est donné. La ligne d'attaque étant formée de Jacques Zimaco, Michel Platini qui jouera en position d'avant-centre et Didier Six qui reçoit son premier ballon ici en position d'ailier gauche. L'arbitre de ce match est Monsieur Palotai, le Hongrois, assisté de Messieurs Guillaume et Zavo, deux arbitres internationaux hongrois. Match commencé depuis maintenant 20 secondes avec les Belges à l'attaque. Van Moor qui perd le ballon. Jean-François Larios, Michel Platini. Et le premier tacle de Vercauteren sur Michel Platini. Il lui a trouvé les chevilles, mais Michel a bien évité. Et une charge de Milcamps, le temps est donné. Et il avait été donné par la presse déjà avant le match. Et une minute de jeu. Et premier coup franc dangereux à 30 mètres face au but de Paf. Oui, pour cette faute sur Larios, Girès, Platini côte à côte. Il est loin, Michel Platini, pour tirer ce coup franc. Il se recule, mais c'est peut-être Jean-François Larios. Voilà une Piqué combinaison. Pour Larios et bonne sortie de Paf. Le gardien de but de la sélection belge qui effectue sa rentrée. En effet, le gardien de Beveren avait été suspendu pour voie de fait sur un juge de touche. Et il n'avait pas joué le match aller au Parc des Princes, remplacé par le gardien de but du Standard, Prodom. Bonne intervention, Lopez. Kullmann là-bas, attaqué par Moisan. Le ballon sort en touche. À des premières minutes très importantes, il est certain que les Belges vont chercher le chaos d'entrée et imprimer un rythme soutenu à ce match. Kullmans aux prises avec Mahut qui touche son premier ballon. Platini. Remarquable retourné, passe retourné de Platini. Pour Larios qui avec un relais avec Bossis récupère ce ballon et une touche française. Max Bossis pour Moisan, le Lyonnais, Girès. Bon appel de balle de Maxime Bossis sur le côté gauche. Et Vandenberg repris très par loin. Vandenberg qui donne en retrait à Paf. Van Moor, capitaine de la sélection belge. Son arrière-droit Rankin. Renverse là-bas, complètement pour Vercauteren, tire au-dessus, tire de Vercauteren au-dessus du but défendu par Iyar. Le Hesel est archi-comble pour ce match de Coupe du Monde, c'est-à-dire que près de 60 000 spectateurs sont venus, quelques Français, 4 à 5 000. Et beaucoup, beaucoup de drapeaux belges. On sait ici même que ce match est capital pour l'équipe de Belgique qui, après, n'aura plus que le déplacement à Rotterdam pour le derby contre les Pays-Bas. Et on sait que les derbys ne sont jamais chose facile. Balle pour Czerniatynski. Aux prises avec Lopez, Czerniatynski. Derrière lui, Vercauteren. Chercher Rankin, trouve Bossis qui dégage. Oui, il faut faire attention, les Français, sur au niveau défensif, à bien glisser, parce que deux fois sur les transversales de Rankin, on a trouvé une fois Vercauteren, la seconde fois Kullmann,
faudrait que Gérard Jean-Dion resserre son marquage là-bas sur le côté droit. Cut aux prises avec Girette. Milton. Meux. À nouveau Milton. Un appui profond sur Kullmann. Kullmann en position d'intergauche et une faute de Mahut qui se fait réprimander par M. Palotaï et un coup franc pour la sélection belge à une trentaine de mètres du but défendu par Iyar. Attention au pied gauche de Ludo Cook, le joueur d'Anderlecht, gravement blessé il y a un an et qui revient en sélection. Il a fallu que Iyar aille chercher cette balle dans la lucarne et la mettre en corner. J'avais vu cette balle brossée que l'on revoit ici. Il va prendre son ballon de l'intérieur du pied sous le ballon et il cherche la première lucarne et Pierrick Iyar la met juste au-dessus de la transversale. Alors que je crois que ce ballon allait toucher la transversale. Pierrick a préféré assurer le coup et mettre en corner. Attends. Petite mésentente là, Jean-Michel, au sein de la défense française. Oui, puisque Mahut a marqué Kullmann dans le dos. Et c'est Moisan qui, à l'arraché, a été obligé de mettre ce ballon en corner. 5 minutes de jeu et deuxième corner pour les Belges. Ah, il est certain qu'avec les grands gabarits que sont Seriatinski, Kullmann et Vandenberg, on risque d'avoir des problèmes dans le jeu de tête. Van Moor fait la remise en jeu pour Seriatinski dans les 16 mètres. Dégagement de Mahut. Les Français sont pressés sur leur but pour l'instant. 7 de Milton, Rankin, Cook. Un pied gauche magique celui de Cook. Contacte d'Alain Moisan. Mike se fait prendre là par Moisan. Ballon en avant pour Jacques Zimaco. Et la balle mise en corner par Luc Milcan. Premier corner en faveur de l'équipe de France. Obtenu à la 7e minute de jeu. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que sur ces premières minutes, il n'y a pas eu de round d'observation. Ça a déjà chauffé sur le but français. Un véritable match de coupe, on s'y attendait. Et premier corner tiré par Didier Six. Trajectoire rentrante avec son pied gauche. Kullmann pour Larios à la limite des 16 mètres. Et un nouveau corner. Oui, sous les yeux de Monsieur Palotaï. Jean-François Larios qui joue au milieu de terrain malgré son numéro 9. Michel Platini a voulu garder son numéro 10. Il a glissé au moment de frapper son corner et re-corner sur cette remise de Alain Girette. Corner concédé par Vercauteren. Troisième corner de suite pour les tricolores en ce début de match. 7 minutes et demie de jeu. Et toujours 0-0. Jacques Zimaco tire celui-là. Oui. Directement dans les bras de Jean-Marie Pfaff, le gardien de but belge. Ça repart par Kullmann. Kullmann, Moisan, un bon travail défensif en ce début de match. Larios, Six, qui se heurte à Milcan et ça repart pour les Belges. Et sur le côté gauche, nous sommes bien dégarnis là-bas. Il y avait deux rouges, Vercauteren et Kullmann. Vercauteren qui joue pratiquement en position d'ailier gauche depuis le début du match. Et heureusement là que Christian Lopez a pu intervenir comme il en a l'habitude. Vercauteren, une balle qui passe devant le but de Thierry Pillard, récupérée par Van Moor. Trop long, le centre de Van Moor. Didier Six, contré, il a une deuxième chance, peut donner à Girette. Qui renverse oh, le non, monsieur l'arbitre. Ah, c'est pas sûr. Non, monsieur l'arbitre. But de Platini qui n'était pas en jeu, à notre avis. Non, monsieur l'arbitre, ce n'est pas possible.
Faudrait revoir cette action. Oui, la balle qui avait été adressée à Michel Platini était parfaite. Dans le dos de Milcamp, et je ne suis pas du tout d'accord avec M. Palotaï qui ne nous a pas fait de cadeau. On revoit cette balle à la girette transversale. Et même à l'arrivée du ballon, Michel Platini n'est pas en jeu. Même à l'arrivée du ballon. Michel Platini qui avait remarquablement joué le coup. Et un nouveau coup franc contre le médecin Mahut au profit de Cerniatinski. C'est dommage là que le juge de touche là-bas ait levé son drapeau. Le coupable, c'est plutôt lui que M. Palotaï, car l'arbitre central n'a fait que suivre là son juge de touche. Nouveau coup franc et toujours le même envoi et toujours le même tireur, Ludo Cook. Là, il cherche la tête de Vandenberg. Vandenberg est hors jeu. Et coup de sifflet pour signaler que Erwin Vandenberg était en position de hors jeu, alors que l'on joue depuis 10 minutes maintenant. Et qu'il est vraiment dommage que ce but de Platini n'ait pas été validé. Il avait conscience lui-même, on l'a vu à sa réaction sur l'image, d'avoir marqué un but tout à fait valable. Il a été même, je dirais, je crois Thierry, vu l'attitude de M. Palotta, il a été à deux doigts de prendre un carton jaune. Car M. Palotta, il n'admettait pas que sa décision soit discutée. Mahut. Larios, Lopez. En tout cas, après un début difficile, Jean-Michel, les Français se reprennent bien maintenant. Oui, et les balles de contre qu'ils ont pu, ils ont su bien les utiliser, notamment sur le côté grâce à Zimaco et à Maxime Bossis. Christian Lopez a envoyé une transversale un peu n'importe comment là, mais Alain Moisan va récupérer. Ah non, il passe en travers Alain Moisan. Attention au contre de Rankin. Moisan, bien revenu, glisse ce ballon en touche. Remise en jeu faite par le capitaine des Belges, Wilfried Van Moor. Rankin, long de transversale pour la tête de Gérard Janvion. Vandenberg préfère laisser sortir ce ballon. Vers Cotteren fait la remise en jeu. Contre de Janvion. C'est maintenant qu'il faut profiter de la vitesse de course d'un Zimaco. Moisan. Platini. Voilà, et sur les côtés pour Larios maintenant. Et il ne lui a pas donné, continue tout seul Didier Six. Et il pousse un peu trop loin son ballon. Et se heurte à Meuse. C'est pas très bien joué là peut-être non. Jean-Michel. Non, je pense qu'il faut profiter des espaces libres. Des espaces libres, Jean-François Larios lui en avait proposé un sur le côté gauche. Vers Cotteren qui échappe à Moisan. Centre et bonne intervention de Hillard. Sur ce centre venu de la gauche. Oui, il est certain que les Français ont des problèmes de marquage vers Cotteren qui est prévu au milieu de terrain. Joie ailier gauche, les trois autres attaquants, Kullmans, Vandenberg et Cerniatinski, permutent souvent et il y a des problèmes de marquage. Le côté gauche et le côté droit plutôt de la défense française est souvent dégarni. C'est d'ailleurs de ce côté que sont venues les offensives les plus dangereuses des Belges. Alain Moisan. Lopez, Platini, vers Cotteren, Milcamp, vers Cotteren. Centre tendu, mais Christian Lopez intercepte. Moisan, dans le dos de Larios. Oui. Et Jean-François Larios pensait que cette balle était beaucoup plus loin que ça de lui. Van Moor. Kullmann. Van Moor. Cook. Milcamp. Pour bien circuler le ballon au niveau de la ligne médiane, les Belges. Cook en avant. Oh, belle intervention de Christian Lopez. Et toujours un appel de vers Cotteren. Il faudrait résoudre ce problème le plus rapidement possible si on ne veut pas s'exposer à des petits ennuis. Mike fait la remise en jeu. Tête de Bossis, Platini. Sur le côté, Michel. Girette. Janvion. Janvion. Tire. Et but tir contré de Janvion. Non. C'est le petit filet qui a tremblé. Il m'a semblé que la balle était dedans. Mais je crois que si le ballon avait été dedans, on revoit cette action, Paf n'a pas bougé.
contrée. Après ce crochet extérieur de Georges Envion, crochet extérieur, frappe contrée par Meuves, et le ballon va mourir sur le petit filet. Dégagement manqué. Bottis, Didier Six, dégagement Van Moor. Cook, Meuves, Perniatinski, Coleman. Il faut laisser passer, oui, bien joué Christian, bien protéger cette balle et dégagement en 6 mètres. L'impression d'optique sur ce tir de Janvion était extraordinaire, on a eu l'impression que la balle filait dans le but. Malheureusement c'était dans le petit filet, en tout cas deux bonnes occasions hein, Jean-Michel. Deux bonnes occasions qui devraient permettre aux Français de se mettre en confiance. Larios, Six. Didier, il ne faut pas multiplier les dribbles, il faut jouer collectivement dans un match comme ça où les marquages sont très serrés. Van Moor vers Cotteren. Toujours vers Cotteren sur le côté gauche. C'est son petit jardin là-bas. Sorti et reprise de volée de Perniatinski, mais qui met la balle au-dessus du but de Thierry Quillard qui avait bien repoussé le premier essai. Non, je crois que c'est Gérard Janvion. Il y a une mésentente entre Gérard Janvion et Thierry Quillard. Et toujours ce problème de vers Cotteren sur le côté gauche. Problème tactique. 16e minute de jeu et toujours 0-0. Dans un match très passionnant, très tendu, entre deux sélections qui connaissent bien l'importance de l'enjeu. Moisan. Giresse. Balle bien dosée pour Gérard Janvion. Janvion très vite aux prises avec Perniatinski. La balle qui passe devant le but de Pfaff, ça n'est pas perdu pour les Français. Michel Platini est venu récupérer ce ballon. Face à Milcan, Larios, Giresse. Regardez la remontée des rouges, la remontée des Belges. Vers Cotteren qui est contre-favorable. Et là, contre-favorable aux Français. La balle filant jusqu'à Christian Lopez. Tous les Belges sont alignés. Aligné sur la ligne médiane. Et Rankin est venu légèrement en couverture, mais ce ballon va être récupéré là-bas par Beck. Beck, oui, pour son arrière d'aile Rankin, les deux arrières d'aile. Ouf. Rankin à nouveau, c'est bien fait tout cela. Attention, il a de la place, Rankin, il va pouvoir frapper. C'est ce qui pouvait nous arriver de meilleur, puisqu'ils étaient à égalité numérique. Rankin a préféré frapper de loin. Et les Français vont pouvoir se dégager. Lopez. Moisan. Janvion. Lopez. Larios. Giresse. Bonne couverture de balle du Bordelais. Zimaco. Ah non, il en fait un petit peu trop lui aussi, Milcan. Attention à ce ballon en contre pour Yann Coleman là-bas. Face à Mahut. Vers Cotteren. Tir contré. Là aussi, et c'est un corner. Troisième corner en faveur de la sélection belge. On joue depuis 18 minutes maintenant. 18e minute de jeu. Corner qui va être tiré par vers Cotteren. Et Milcamps a quitté sa défense centrale. Tiré au sol. Giresse. Platini. Échange avec Moisan. Platini. Il va changer de côté. Voilà qui est fait pour Jean-François Larios. Larios. Bottis, écran. Zimaco. Et une faute de Van Moor. Coup de sifflet de Monsieur Palotai. Larios. Bottis. Larios. Et hors jeu de Didier. Ah oui, là c'est net. C'est pas comme tout à l'heure. C'est clair et net. Ils sont très bons tactiquement les Belges. Ils alternent en défense la défense de ligne.
et le marquage individuel. Et les Français sont un petit peu perdus entre ces deux façons de jouer, ces deux dispositions tactiques. Cook. Balle manquée de peu, interception manquée de peu par Platini. Vers côté Rennes. Ah, bien fait. Centre de Vercoterraine, coup de tête de Lopez, de Mahut, c'est bien joué, les deux défenseurs centraux français, Platini, Moisan, Six. Eh oui, écran complètement manqué entre Six et Girès, et les Belges à l'attaque. Seulement de la tête contré par Mahut, et Jean-François Larios revenu très loin chercher ce ballon. Oui, les Français peuvent calmer un petit peu le jeu. Bonne passe dans le dos pour Alain Girès. Oui, qui remet Bossis, Larios, Moisan. À chaque fois qu'un Français... Il ne faut pas essayer, je pense, de trop dribbler, Jean-Michel. Tout à fait. Bonne balle encore pour Platini, mais en jeu de là, Girès. Chaque fois qu'un Français a voulu porter le ballon, ne serait-ce que 4 ou 5 mètres, il a été rapidement pris dans l'étau. Par contre, chaque fois qu'il y a eu des échanges rapides, bien, les Belges ont été en difficulté. Rankin. Van Moor. Vandenberg, il va pouvoir frapper du gauche. Oh là là, très belle sortie de hier. Quelle 1-2, un 1-2 extraordinaire. Ah oui, parce que là, c'est la l'action. L'action la plus brillante depuis le début de cette partie. Oui. Et remarquable sauvetage de Pierre Iquillard. Je pense qu'on va le revoir. Regardons. Échange de balle. Le ballon qui arrive à Vandenberg qui s'appuie sur Kullmans. 1-2. Et Vandenberg seul devant Pierre Iquillard. Pierre que les deux jambes en avant sauvent une situation presque désespérée. En tout cas, Jean-Michel, Pierre Iquillard, le gardien de but de Bastia, a sauvé deux buts. Ce coup franc de Ludogorets dans les premières minutes. Et cette sortie devant Vandenberg, voilà qui va le mettre en confiance pour une première sélection. Première sélection, un poste aussi délicat et aussi important dans un match, lui, tout aussi important. Et Pierrick a eu deux interventions décisives au cours des 20 premières minutes. Oui, à 26 ans, peut-être que le Breton est en train de signer un bail avec l'équipe nationale. L'avenir nous le dira. Lopez, Girès, Zimaco qui a chuté, Jean-Michel, là-bas. Il semble que les joueurs glissent un petit peu. Tout à fait, c'est un terrain qui est peu utilisé, une pelouse qui est très souple, très profonde. Elle est certaine que les crampons entrent bien dans la pelouse, mais que cette pelouse sente un petit peu, elle se soulève. Les Belges font circuler le ballon en ce moment, Kullmans. Centre de Breck. Cherche Vandenberg, tire de Vercoterraine. Oh là là, un ballon détourné et qui a bien failli tromper hier. Oui, tire en demi-volée de Vercoterraine, tire un petit peu manqué. Mais Van Moor au passage avait dévié ce ballon et a failli prendre Pierre Iquillard à contre-pied. Nous avons vu le sélectionneur belge Guy Sijs sur son banc. Très concerné par cette partie où l'on en est à la 23e minute de jeu, c'est-à-dire à la moitié de cette première mi-temps dans laquelle pour l'instant aucun but n'a été marqué. Moisan, Zimaco. Ah, Zimaco attaqué dans le dos par Cernia Tinchi et un coup franc en faveur de l'équipe française tiré par Girès. C'est pour pas pour la tête de Platini. Oui. Larios, qui frappe, mais... Oui, Jean-François a mis son corps à l'arrière. Il avait son pied d'appui légèrement en retrait. Et quand il a frappé, il a fait monter ce ballon à la manière d'un joueur de rugby. Il aurait dû pousser son pied davantage vers le but. Plus facile à dire qu'à faire. Paf ne m'a pas paru très serein sur cette sortie. Van Moor. En tout cas, il y a de l'ambiance aujourd'hui au Ezel, c'est le moins que l'on puisse dire. Larios. Girès. Alain Girès qui n'a pas perdu un ballon depuis le début du match.
Moisan, Larios maintenant. Ardeleto qui se resserre autour de Larios. Mahu. Oula. Bonne talonnade. Était venu prendre ce ballon. Et, oui. Et voilà, cette fois-ci, il l'a perdu. Et il faut que Lopez, encore une fois, vienne. Contre-attaque belge. Attention, Ludoko. One more. Et encore une fois, intervention. Attention, premier poteau. Et but. Réussi par Vandenberg. Sur ce contre démarré par Ludokouk. Oui. À la 25e minute. Et toujours ce problème de Vercoteren sur le côté gauche. Vercoteren seul. Centre premier poteau. Skarnatinski laisse passer le ballon. Et Vandenberg l'accompagne. C'est Czerniatinski qui marque. Oui, avec la complicité de Vandenberg. La balle, je crois, de toute manière, prenait le chemin du but de Ihar. 1-0 donc pour l'équipe belge. Et c'est là à la 25e minute de la partie. Le but étant donné à Czerniatinski après un premier tir donc de Erwin Vandenberg. Longue transversale de Cook pour Rankin. Van Moor. Pour que Pfaff sorte de sa surface de réparation. Thierry, ce but qui est venu encore du côté gauche. Toutes les offensives sont venues du côté gauche et les Français n'ont pas su résoudre ce problème. Czerniatinski, donc c'est la première sélection, marque son premier but. Rankin fait la remise en jeu. Kullmann. Encore là-bas vers Vercoteren. Mais là, la balle sort en sortie de but. Et Ihar va pouvoir dégager. Moisan. Larios. Lopez. Simako. Et la touche est pour les Belges, pour l'arrière Pike. Ah, les Belges qui poussaient depuis le début de ce match. Milcan. Vont jouer certainement plus sereinement maintenant, vu l'avance qu'ils ont au tableau d'affichage. En tout cas, c'est un match de très bon niveau que nous assistons. Et un match, il faut le dire aussi, Jean-Michel, disputé dans un bon esprit. Jusqu'à présent, oui, on nous avait promis, en tout cas les Belges avaient promis une belle réception française. On doit dire que tout se passe dans le meilleur état d'esprit. Moisan, Bossis, Pic. Bike. Vercoteren. La touche est française, c'est Gérard Jandian qui va la faire. Lopez. Les Belges quadrillent bien le terrain. Zimako. En dribble comme il aime le faire. Giresse. Il est en jeu. Eh oui. Elle est très très difficile à passer cette défense belge, très athlétique et très bonne tactiquement. Moisan, Van Moor, Vercoteren, Mahu, Giresse. Et Bossis à ses côtés qui va proposer une solution sur le côté gauche. Oui, mais le petit bordelais lui tourne le dos, il ne l'a pas vu. Résultat, les Belges s'emparent du ballon au Cook. Vercoteren. Et un coup de sifflet de Monsieur Palotai. Oui, pour une faute involontaire, je crois, de Zimako sur Pike. Oui, on ne peut pas dire que Jacques Zimako soit un joueur violent. Christian Lopez qui donne des consignes à ses défenseurs.
Alors que c'est Jean Vion là-bas qui va chercher le ballon, dont personne ne se préoccupait. Monsieur Palotaï lui-même allant le chercher. Curieux, car il y a des petits ramasseurs de balles tout autour du terrain. Mais ce ballon était devant les panneaux publicitaires. Ils ne doivent pas avoir le droit de passer outre. Vers côté Rennes. Tête de Mahut. Bossis. Platini. Ah, une faute. Oui. Ah, monsieur Palotaï a mis son sifflet à la bouche. Oui, il a sifflé. Oui, oui. Une belle obstruction de Milcan. Michel Platini avait été plus vif. Pour Moisan, intervention de Meuse. Goldman. Van Moor. Goldman. Vers côté Rennes. Ah, il s'en sortait bien là-bas. Goldman. Et toujours ce côté gauche. Toujours, oui. Toujours. Et toujours vers côté Rennes. Et toujours vers côté Rennes. Et une situation chaude encore. Jean Vion s'en sort de justesse. Moisan. Ah, je crois que ou Christian Lopez, le libéro, ou Michel Platini, le capitaine, devraient remédier au plus vite à ce... Lopez, Platini, Girette, Larios, Stick, Larios, Girette. Sur le côté droit pour Moisan là-bas, oui. Voilà qui est fait. Moisan vers côté Rennes est devant lui. Moisan. Et la remontée des rouges va s'effectuer sur les porteurs du ballon. Ah, ça l'est bien sorti Alain Moisan. Ouais, la balle est sortie des limites du terrain et c'est une touche en faveur des Belges. 32e minute, encore 13 minutes avant la mi-temps. Et toujours 1-0 pour la sélection nationale belge. Ce but marqué à la 25e minute par le tandem Vandenberg-Terniatin. Et avec le score actuel, Thierry, on peut dire que la Belgique a pratiquement assuré son billet pour le Mondial 82. Longue balle en avant de Meuse vers Coleman. C'est un ballon qui va sortir, oui, qui est sorti. Il est sorti et Coleman, ça a été arrêté par les barrières là au fond. Bossis. Larios. Moisan. Mahut. Lopez. Larios. Lopez à nouveau. Et remontée des rouges pour essayer de tenter de mettre les Français hors jeu. Bossis. Van Moor, c'est bien joué de la part de l'équipe belge. Ah oui, il joue très bien tactiquement. Je crois que la différence actuellement, eh bien, elle vient surtout de dans ce domaine. Je crois que les Belges ne nous sont pas supérieurs techniquement et physiquement, mais qu'ils jouent mieux tactiquement. Une équipe de Belges très expérimentée, puisque pas moins de 8 de ses joueurs disputaient en 80 la finale de la Coupe d'Europe des Nations. Ah oui, de la main. Alors que monsieur Palotaï avait sifflé, Wilfried Van Moor a joué le coup tout de même, on ne sait jamais. Et les Français repartent par Mahut, Larios. Difficile de trouver un joueur démarqué. Vous voyez maintenant, les Belges sont au marquage individuel. Lopez. Bonne occupation du terrain. Et Cook de la tête sur Mahut. Moisan. Larios. Il est hors jeu, Michel. Ah oui, cette fois-ci, oui. Ah oui, une nouvelle fois à l'extrême limite, mais là il l'était.
Alors il était en jeu et il le sait. Oui, oui. Alors que tout à l'heure, en début de partie, c'était beaucoup moins évident. Sans doute parce que la défense belge n'était pas encore chaude et ne fonctionnait pas comme elle fonctionne maintenant. Dégagement rillé, manqué de passe et touche pour Maxime Bossy. Il reste 10 minutes avant la mi-temps. Girès, bien fait pour Pic. Moisan. Ah, c'est un peu fort, peut-être que... Non, non, elle est bonne. Face à Baek, il faut faire la différence Dinampo. Individuellement. Et c'est là que les problèmes vont arriver. Ah, voilà. Ballon perdu par Moisan, Coleman, Korniatinski. C'est lui-même la remise en jeu. Bike. Platini. Un bon petit temps de Platini sur Cook était revenu. Oui. Alors que Milko était passé. Meuves, le libéro. C'est lui qui commande les manœuvres défensives. Cook. Et obstruction de Tcherniatinski. Oui, sur Mahu. Et un coup franc en faveur de l'équipe de France. À proximité du rond central. Larios. Platini. Girès. C'est mal joué de Didier Six qui doit écarter le jeu plutôt que d'en rentrer dans l'axe du terrain. Et une faute de Milcan. Un coup franc pour le Bordelais Alain Girès. 30 mètres des buts. Dimaco, oui. Ah, c'était pas mal fait, il avait remis derrière lui pour Platini. Oui, il avait tenté une remise. On a l'impression que cette défense belge est pratiquement invulnérable. Vous savez que depuis 20 minutes, pratiquement, les Français n'ont pas pu frapper une fois au but. Très difficile de s'approcher du but belge. Lopez, Girès. Regardez comment fonctionne. Une faute de Cook. Oui, faute inutile car le vieux Van Moor avait récupéré ce ballon. Van Moor qui est l'âme de la sélection. 36 ans, pas beaucoup de cheveux. Auquel M. Palotaille a fait encore une observation car après ce coup de sifflet, il a poussé loin le ballon. Platini, Six. Voilà Didier sur son coin favori. Bossis qui remet pour Six, qui centre. Et une bonne intervention de Pfaff. Oui, mais le monsieur Palotaï avait sifflé hors jeu depuis longtemps. Malgré ce 1-2. Moi, je veux bien, mais c'est pas évident du tout, encore une fois. Van Moor. Non, Dix. Non, perd le ballon pour Rankin. Et la touche est française. Oui, les joueurs glissent sur cette pelouse meuble du Heysel. Bossy. Larios. Moisan. Mahu. Avec Lopez, avec Moisan maintenant. Ah oui, mais... Les Français voudraient bien chercher un appui, mais c'est difficile de trouver un homme démarqué. Lopez, Bossis, Moisan, alors que le pressing belge se déploie. Ouais, c'est bien joué, le pressing est très très bien fait de la part des Belges. Avec une défense qui remonte bien, des attaquants agressifs sur le porteur du ballon. Girès, Larios, Mahu. Dimaco. Janvion, oui. Larios. Et contre favorable à Ludo Cook.
dégagement sur Cherniatinski. Oui, aux prises avec Jean Vion. Et coup de sifflet de M. Balotay pour signifier que la touche est française. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Moisan. Platini. Lario. Lopez, pardon. Giresse. Giresse qui a tenté une déviation. Zimaco. Déviation qu'il a manqué. Ce sont les Belges par Rankin, leur arrière droit qui repartent. Se contente tout à fait de ce tableau d'affichage pour l'instant les Belges et ne prennent pas de risques, des risques calculés. Alors que Michel Hidalgo, anxieux, on le serait à moins, encourage ses troupes. Attention à Kuhlmann là, à la limite de la surface de réparation. Et reprise de volée du pied gauche oui. De Cherniatinski. Reprise de volée au premier poteau. Ce Cherniatinski, Chernia comme on l'appelle ici, Alex de son prénom, qui jouait en deuxième division l'an passé et qui devait aller au Standard de Liège. Et c'est, en définitive, c'est à l'Anvers qu'il joue cette année. C'est la révélation de ce début de saison. Vers côté Rennes, perd le ballon, Platini. Giresse. Giresse. Lario. Lario. Et toujours le pressing, ah, toujours. C'est difficile parce qu'ils sont trois sur lui. Bossi. Regardez comme Van Moor vient encore sur Max Bossi. C'est l'oblige à concéder une touche. Mais faute de Van Moor et Max peut dégager. Six après une balle passée par Lario. Lario à nouveau. Les Français en contre, mais tous les Belges sont revenus. Bien joué de Jean-François qui Moisan. Écarte le jeu. Lopez. Ah, Lopez a trop poussé son ballon. Longue balle en avant. Mahut et Vandenberg là. Kuhlmann. Alors que sur cette action de Lopez, Cherniatinski a oui. pris un coup et il est sur la touche pour l'instant. Attendant des soins. Oui, c'est sur la cheville gauche que le pied de Lopez s'est aventuré là-bas. Christian Lopez avait trop poussé son ballon et pour le récupérer, il a fait un tacle glissé. Que Rankin aussi est Rankin. Au sol de l'autre côté. Cherniatinski va revenir sur le terrain. Oui, c'est sa cheville gauche là-bas, de l'autre côté. Alors que l'un des soigneurs belges est allé jusqu'à lui. Et que Rankin s'est relevé, coup franc pour l'équipe de Belgique. Van Moor au ballon. Alors qu'il reste 2 minutes. Non, qui va le tirer? Non, c'est Rankin qui va le frapper, ce coup franc. Ah, oh, ben c'est qu'il ne devait pas avoir trop mal alors. Lario. Lopez. Coupe. Jean Vion. Jean Vion. Bonne balle du pied gauche. Six. Oui, bien, bon changement d'aile de Didier, voilà. Bon changement de jeu pour Alain Moisan. Moisan face à Vercoterez, centre. Et coup de tête de Jacques Zimaco, mais la balle passe à côté du but de Pfaff. Et c'est avec des longs déplacements, des longues passes comme celle que vient d'effectuer Didier Six sur Moisan que les Français vont prendre cette défense à revers. Baek, Cook, cherchez Kuhlmann, trouve Mahut, Lario, Giresse, Six. Oh, Platini, oh là 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 là, projeté alors qu'il allait jouer ce ballon. Par en quelle faute inutile d'ailleurs, Capfaf s'est emparé facilement de ce ballon. Milcan. Ah, il ne me rappelle pas que de bons souvenirs, ce monsieur Palotay. Meuse. Ce
C'est vrai que M. Pelletaille était l'arbitre de la finale de la Coupe d'Europe entre Saint-Etienne et le Bayern à Glasgow. Centre de Kuhlmann, sortie de Yard, qui ne touche pas le ballon. Au deuxième poteau. Et qui se heurte un petit peu avec Moisan. Oui, avec Moisan, il a perdu enlevé sa chaussure. C'est la mi-temps. Mi-temps sifflé, qui se sort de 1-0. 1-0 pour les Belges après ce but de Chériat ainsi obtenu à la 24e minute de jeu. Les Belges avaient eu de belles occasions en cette première mi-temps. Les Français en ont eu au début. Et il est dommage, répétons-le, que l'arbitre ait sifflé un hors-jeu qui peut-être ne s'imposait pas. Enfin, cela fait partie du jeu. Mi-temps donc 1-0 en faveur de la Belgique ici au Ezel. Je vous envoie de cette deuxième partie de la rencontre. Deux équipes inchangées d'ailleurs, puisque les entraîneurs n'ont procédé à aucun remplacement. Et ça repart immédiatement par Kuhlmann. Kuhlmann qui frappe. Oh là là, une balle qui rebondit sur le corps de Hillard. Et dégagé en touche. Kuhlmann, après l'engagement, a transpercé la défense française. Longue touche. Korniatinski et coup de sifflet de M. Pelletaille. Pour une obstruction. Korniatinski s'est servi de ses bras pour écarter Lopez et Janvion. Moisan. Première alerte sérieuse d'entrée en cette seconde mi-temps. Ah oui, un superbe tir de Kuhlmann, bien arrêté, bien repoussé plus exactement par Hillard. Oui, un ballon qui a flotté, je pense que c'est ce qui a trompé Hillard, la trajectoire a été flottante. Mahut. Et le ballon est venu rebondir sur la poitrine de Pierrick Hillard. Girette. Van Moor. Vers Cotteren. Balle que va récupérer Larios pour son capitaine de Saint-Etienne. Oui. Christian Lopez. Bossis. Lopez. Larios. Larios. Janvion. Mahut. Janvion. Faute de Tchernia sur Janvion. Au départ d'une deux. Ah, c'est une succession de duels. Il est très difficile aux Français de se défaire du marquage des Belges. Girette. Tous les Belges sont dans leur camp d'ailleurs. Les Français dépossédés du ballon. Van Moor cherche Kuhlmann, se trouve la tête de Christian Lopez. Janvion qui met en touche. Mike fait la remise en jeu. Cook, Meuse, Milkamp. Pas de risque pour son gardien Jean-Marie Pfaff. Ah, les Français sont dans l'expectative là. Ils ne savent pas trop s'il faut se livrer ou bien s'il faut attendre un petit peu. Ils ont failli encaisser un deuxième but et là ils ont du mal à récupérer. Meuse. Mahut, Moisan, Platini, Milkamp. Ah, une faute de Moisan, inutile. Sur Vercoterren, les deux hommes se serrent la main. Et les Belges, qui eux aussi connaissent le résultat à la mi-temps là-bas à Rotterdam, ne se pressent pas. Ludo Kouf tire ce coup franc. Faute de Vandenberg, ouais. Sur Maxime Bossis. Oh, un raté. Et encore une bonne sortie de Hillard. Bien sorti Hillard. Oui. Attention à Kuhlmann là-bas. Alors que Vandenberg avait commis une faute au départ de l'action. Faute au départ de l'action, suivie d'une erreur de Jean-François Larios. Et Vandenberg avait fait sauter son ballon par-dessus Christian Lopez. Bon geste technique. Et heureusement que Pierrick Hillard était venu au-devant de l'attaquant belge pour fermer l'angle de tir. Bossis.
Ah, l'équipe de France est dominée maintenant. Lopez, Larios, Bossi, Mahut, Bossi. Gires, Six, hein, qui n'arrive pas à être décisif dans ses dribbles, Didier Six. Cook. Regardez comme les contre-attaques des Belges sont bien menées. Le Coleman. Jeu est bien écarté par Van Moor sur le côté droit. Van Moor, Coleman à nouveau. En tout cas, le jeu des Belges, Jean-Michel Larquet, on le disait à la mi-temps, mais c'est vrai, est beaucoup plus tranchant. Beaucoup plus incisif, celui des tricolores. Mieux organisé, surtout. Larios. Didier qui va s'enferrer encore là-bas, il va être dépossédé du ballon. Et tout le temps le même scénario. Aussi sûr que deux font quatre. Dimaco. Et une touche pour l'équipe de France. Alors que le juge de touche signale un hors-jeu. Hors-jeu de Dimaco. Dimaco revenait d'une position de hors-jeu. C'est donc les Belges qui vont pouvoir bénéficier de ce coup franc indirect. Alors que l'on joue déjà la sixième minute de cette deuxième mi-temps. Et que pour l'instant, les Belges dominent assez largement l'équipe de France. Tête de Coleman. Moisan. Lopez, Larios, Bossi, Six, Cook, encore une fois Christian Lopez, Jean Vion, sur la tête de Milcan, Larios, Bossi. Il n'a pas réussi à redresser ce ballon. À redresser la course du ballon. Je voulais donner cette balle à Didier Six. Et que le numéro 14, Verheyen, qui joue à Lokeren, va entrer sur le terrain. À la place de Van Moor. Oui, Wilfried Van Moor qui 8. Va donner son brassard de capitaine à Michel Rankin. Wilfried Van Moor. Oui, c'est sa 50e sélection. Et. Le public bruxellois aime beaucoup le vaillant capitaine belge. Oui, qui jouait déjà en 70 au Mexique avec l'équipe de Belgique. Van Moor qui, un peu plus tard, a été victime d'une fracture de la jambe. Coleman, Cook, Gires, Jean Vion. Enfermé. Dimaco, oui, une faute. Vous essayez d'écarter le jeu. Moisan. Lopez. Moisan. Non. Ah non. Directement à Meuse. Ce sont des véritables mailles, les véritables mailles d'un filet qui sont tissées par les Belges. En fait, le gardien de but belge, Jean-Michel Larquet, Jean-Marie Paf, n'a pas eu un arrêt sérieux à effectuer. Non, hormis les deux alertes du début de match, eh bien. Nous en sommes à la 53e minute et ça fait pratiquement 40 minutes que Pfaff n'a rien eu à faire depuis que sa défense s'est bien mise en place, depuis qu'elle manœuvre remarquablement sous les ordres du libéro Meuse. Mahut. La touche pour les Belges. En faveur de Rankin, numéro 14, Verheyen. Non, finalement, c'est Rankin lui-même qui fait la remise en jeu. Larios, Cook, dernier attentif. J'avoue que ce juge de touche est surprenant. Oui, ce n'est pas le même qu'en seconde mi-temps. Hein. Non, mais qu'en première mi-temps, vous voulez dire. Qu'en première mi-temps. Oui. Mais enfin, celui-là aussi est surprenant. Tout car. Oui, Coleman, au départ, était largement en jeu, bien couvert par Bossi. Gires. Mais ça n'est bien sorti. Larios récupère le ballon qu'il avait perdu.
et hors-jeu de Didier Six. Six pour l'instant qui a beaucoup de problèmes dans ce match. Oui, des problèmes techniques et même des problèmes de situation sur le terrain. Et l'on voit le Sochalien Yannick Sopira s'échauffer. Lopez. Vandenberg très très fort dans l'art de la poussette. Hein. Bonne tête de Milcan, ballon récupéré par Platini. Janvion, Moisan. Eh non. Peut-être Larios, cette fois-ci c'est récupéré par Vandenberg. Grosse présence des Belges au milieu du terrain. Énorme présence. Verheyen. Et heureusement que Max Bossis est le plus vite sur ce ballon pour le donner à Pierre Quillard. Bossis. Six. Bossis. Moisan. Giresse. Il va changer Giresse pour Philippe Mahut. Mahut. Ils ont Lopez. Du mal à trouver une seule solution devant. Bossis sur la gauche. Six. Larios pousse trop loin son ballon lui aussi. Et les Belges repartent. Ah là, les Belges ont vraiment le match en main. Rankin. Ce sont eux qui mènent le jeu. Ce sont eux qui font faire les fautes aux Français. Meuse. On voit même le libéro. Coup de tête de Mahut. Vers Sauterraine qui voit sentir contré. Et faute de Tchernia. Et faute de Tchernia sur Philippe Mahut. Heureusement car Verheyen avait une bonne occasion de frapper au but là. C'est Vercotten qui a été contré au dernier moment, Thierry. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain, il faut bien le dire, et c'est l'équipe de Belgique. Moisan. Qui n'hésite pas à prendre des risques puisque cette action dangereuse a été amenée par le libéro Meuse. Attention contre. Dernier succès d'une équipe française ici au Ezel remonte à 1970. Alors que l'équipe de France avait gagné par 2-1, deux buts de Marco Molitor. Larios. Bon, le balle. Platini. Et bon arrêt de Paf. Oh, il a raison, Michel, encore de venir protester. Oui, Michel Platini qui vient dire aux juges de touche, ça fait deux fois. Et sans la moindre hésitation, l'arbitre de touche a levé son drapeau. C'est curieux, mais c'est comme ça. Oui, et Marc Bourrier, l'adjoint de Michel Hidalgo, qui ne semble pas être d'accord. Attention à cette attaque menée par Verheyen là-bas de l'autre côté. Oh là là! Oh, et un tir de Kohlmanns, alors que la France avait très mal écarté ce ballon qui passe juste à côté. Oui, une action qu'on va certainement revoir avec la balle relâchée par Thierry Quillard. Et Kohlmanns, seul au second poteau en demi-volée, frappe juste à côté des buts. Il avait le temps de contrôler ce ballon, je crois. Les Français s'en tirent bien pour l'instant, car 1-0 tableau d'affichage. Ce n'est pas cher payé. Larios. Mahut. Voilà pour Janvion, un peu plus profond. Janvion. Moisan. Giresse. Moisan. Ah, une faute. Et un carton jaune pour Beck. Oui. Une faute de Beck sur Alain Moisan et un carton jaune. C'était un bon 1-2 entre Moisan et le petit Giresse. Et là, c'est un coup franc qui est sur la droite des buts de frappe en regardant les buts du gardien belge. C'est donc pour le gaucher Didier Six. Rappelons que
Dans cette position, elle avait mis le ballon sur la barre à Feuillenord. Ah, il ne semble pas très décidé, Didier, si ça frappe. Il semble surtout que le mur belge ne soit pas à 9 mètres. Frappe de Moisan, contré. Et tous les Belges environ. Remontent sur le côté, bien écarté. Lopez. Michel Platini est allé à la lutte avec Paf, les deux hommes restent tendus au sol. Il y a un corner en faveur de l'équipe de France, le premier de la deuxième mi-temps et le cinquième depuis le début de la partie. Alors que Michel Platini et Jean-Marie Paf restent au sol. Oui, Michel Platini s'est relevé, ça semble aller pour lui. Oui, Platini a complètement récupéré. Il n'y avait pas faute ni de Platini ni de Pape. Le gardien et l'avant-centre, le gardien d'Alger et l'avant-centre de l'équipe de France sont allés jouer ce match. Et changement pour l'équipe de France, je pense que c'est le numéro... C'est Moisan qui sort. C'est Moisan. Oui, et Yannick Stopira, le socialien. Va effectuer sa rentrée. Oui, je pense qu'il va y avoir un changement de tactique, à savoir que Michel Platini va redescendre au milieu du terrain pendant que Yannick Stopira va venir occuper le centre de l'attaque. Et c'est Vandenberg qui sort balle au pied de ses 16 mètres. Meuse. Cerniatinski, rapidement Terren, mené par Vercoterren sur le côté gauche. Jean-Vion, Lopez, Platini. Et Michel Platini est revenu donc au milieu du terrain. Alors que Dimaco était signalé hors jeu. Rankin. Verheyen, dégagement, Jean-Vion, Rankin à nouveau, Moëse, alors que la balle tout doucement arrive dans la surface de réparation de Paf. 17e minute de jeu, toujours 1-0 pour l'équipe de Belgique. Et toujours pas une occasion d'égaliser pour les Français en cette seconde mi-temps. Cerniatinski qui de la tête l'a dominé Jean-Vion. Bossi, Lopez, Six, Verheyen. Je suis surpris, Jean-Michel, de voir à quel point un garçon comme Didier Six, qui avait été très bon avec son club en début de saison, est malheureux aujourd'hui à l'occasion de ce match international. Oui, il n'est pas très heureux depuis le début du match et il avait mal abordé son match. Il a eu du mal à se situer, il a voulu multiplier les dribbles pour essayer de faire la différence seul. Et bien depuis le début, il n'a pas réussi à reprendre le dessus. Et il est certain que Didier n'apporte pas tout à fait ce que l'on espérait de lui. Lopez, Mahut, Bossis, Six, qui je l'espère va nous faire mentir, face à Verheyen. Et à Rankin, Paf. Et centre directement derrière le but de Paf. Oui, le donc ballon. Une sortie de but. Le centre était trop brossé. Cerniatinski, balle en touche, remise en jeu effectuée par Marc Milcan, le numéro 14 belge rentré, qui n'était pas Verheyen, qui lui porte le numéro 15, mais bien Marc Milcan, le joueur de Verheyen, le frère du défenseur central Luc Milcan. Cerniatinski et corner. Avant, l'avantage, je dis monsieur l'arbitre, corner pour les Belges.
quatrième corner depuis le début de la partie. Attention au jeu de tête des Belges. Cheria, Vandenberg par Marc Milcan. Dégagement Lopez. Oui, pied en avant de Vandenberg sur Christian Lopez. Lopez qui a pris un coup et qui souffre. Platini, Bossis, Lopez, Bossis, Topira. Ah, ils se sortent bien, ils font bien circuler le ballon, les Belges. Verkotteren, Cerniatinski. Et Verkotteren sur le côté gauche. Poursuivi par Mahut. Bon, bon centre au deuxième poteau, heureusement que personne n'a fermé. C'est Marc Milcamp là-bas. Et très belle sortie de Hiard, qui peut se saisir du ballon. Jirès. Verkotteren. Platini. Pour Zimaco, une balle que le néo-socialien n'a pas réussi à reprendre. Meuse, Cook. Meuse. Verkotteren que l'on appelle ici le bulldog. Ah, bien joué. Oui, un dribble pivotant, bien réussi et touche pour les Belges. Touche effectuée par Verkotteren. Alors que du côté belge, évidemment, on ne se presse pas trop. Menant comme ils le font par 1-0, ayant le match bien en main. Kuhlmann. Cook. Ah, qui a cherché bonne, Rankin. Balle, il la retrouve quand même. Le public avait commencé à manifester, mais le ballon était bien donné. Cool. L'extérieur du pied. Regardez ce dribble. Jirès. Didier Six. Aïe, 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 aïe. Oui, il est à contre-courant. Même sur cette action, il a fait son contrôle. Il était dos au but. Qu'il aurait dû être à 180 degrés. Qu'il aurait dû être face au but. Et en plus, il l'a pris sous la semelle, Didier. Bossis, Milcan, touche pour les Belges. Il n'en reste pas moins, Jean-Michel, que si la marque reste ce qu'elle est là, après 22 minutes de jeu, l'équipe de France, elle, reste sur une longue série de défaites. Oui. Car le dernier match gagné, si ma mémoire ne me fait pas défaut, est celui contre la Belgique au match aller. Tout à fait, puisqu'il y a après eu les matchs amicaux contre les Brésiliens, contre Stuttgart. Contre l'Espagne aussi. Les déplacements en Espagne. Rankin là-bas fait la remise en jeu. Kuhlmanns. Aux prises avec Mahut, et c'est le Messin Kuhlmann qui est pénalisé. Comme Vandenberg protège bien leur ballon, ils couvrent parfaitement le ballon avec leur corps. C'est très difficile de s'emparer du ballon pour les défenseurs. Oh là ! Et il faut que Jean Vion aille sortir ce ballon en corner. Encore une sortie hasardeuse de Pierrick Hiard alors que Philippe Mahut et victime de crampes, c'est Vandenberg qui a obligé Christian Lopez à concéder ce nouveau corner. Le cinquième pour les Belges, le deuxième au cours de la seconde mi-temps. Verkotteren va le tirer. Dégagement de la tête Larios, Jirès, Platini. Larios, Jirès, ah non, petit tout ça et... Contre de Verkotteren et de Meuse sur le côté gauche. Verkotteren. 5 Belges contre 5 Français, égalité numérique. Meuse. Et
une faute de Cerniatinski qui avait poussé Christian Lopez dans le dos, mais sans préjudice puisque Yar a pu récupérer ce ballon. Girès, Mahut, Platini. Bien joué Stopira. Stopira. Dimaco. Un joli centre au deuxième poteau mis en corner par Rankin. Bon centre bien travaillé qui a empêché Paf de sortir de son but. Rankin le capitaine depuis que Van Moor est sorti. Stopira. Bautis. Oui, une hésitation de la défense belge, tout le monde s'est regardé. C'est Paf qui a eu le dernier mot. Paf qui va pouvoir se dégager. Un bon contrôle du pied gauche de Tchernia. Kullmann qui a essayé de passer en dribble lui aussi. S'est fait contrer. Platini. Si. Platini. Dimaco. Girès. Ouh. Une sortie de Paf qui a heurté de plein fouet Michel Platini. Sortie musclée du gardien belge là. Il n'a pas fait le voyage pour jouer. Hein. Si Michel Platini jouait le ballon, il n'en était pas tout à fait de même du gardien belge. Oui, on a eu l'impression que c'était un petit peu la réponse du choc de tout à l'heure où les deux hommes s'étaient heurtés. Oui, mais même tout à l'heure, Michel était allé pour jouer le ballon. Michel Platini qui était au départ de cette action signalé hors-jeu. Larios, Girès. Ah, une faute sur Girès. C'est un coup de vent qui a fait tomber Girès. Oui, comme vous dites, oui. Vercoterren. Et une sortie de Iyar. Qui relance immédiatement sur Bossis. Platini. Larios. Larios. Oui, monsieur, le Palotta a laissé l'avantage. Oui, car il y avait une faute de main d'un joueur belge, Bossis. Girès, Larios. Six. Il va peut-être pouvoir frapper. Ah non. Ah, Rankin a bien poussé ce ballon, ouais. Gardien. Parce que Didier n'était pas sur son bon pied là, mais il aurait peut-être pu tenter la frappe du pied droit. Il se trouvait à 15 mètres du but. Il le fallait. Mais il aurait pu oser. Marc Milcan qui redonne derrière lui à Jean-Marie Favre. Il semble que les Français, alors que nous en sommes à la 28e minute et qu'il reste donc 8 minutes à jouer, les Français s'enhardissent un petit peu en cette deuxième mi-temps. Bah, on peut compter peut-être sur la fraîcheur physique. Vous savez que les Belges viennent à peine de reprendre leur championnat. En France, nous en sommes déjà à la 9e journée. Il est certain aussi que les Belges ont imprimé une cadence très élevée au cours de l'heure passée. Et il va certainement y avoir une baisse maintenant. C'est le temps pour profiter les Français. Un coup franc pour une faute de Gérard Janvion sur Cerniatinski. En faveur de Vercoterren. Alors que Ludo Cook vient sur le bord de la touche. Vient se faire cisailler les paradraps qui lui tenaient les protège tibia. Vercoterren. Sorti. Dégagement de la tête de Bossis. Oui, Pierre Iquillard est sorti et n'a pas encore touché ce ballon. Bonne talonnade de Milcan. Centre de Rankin. Nouvelle sortie de Iyar qui dégage des deux points. Et remise de Vercoterren complètement manquée. Qui sort bien loin de la cage défendue par Iyar. Il va donc pouvoir dégager. Lopez. Platini. Sur le côté droit pour Larios. Larios. Lopez.
bien prolongé de Bottis. Christian pour Bottis. Milcan face à Bottis. Ah, ça va être difficile car Rankin est revenu à la il charge. Il obtient quand même une touche. Max Bottis qui retrouve ses automatismes qu'il a à Nantes. C'est un arrière très offensif. Ah, une faute et un nouveau carton pour Cook. Ça fait deux. Bike en première mi-temps, Cook en deuxième mi-temps. Oui. Ludo Cook est un excellent footballeur. Mais quand il faut défendre le maillot rouge, le maillot des Diables Rouges, eh bien, on n'hésite pas sur les moyens. Coup franc complètement sur le côté que va donner Guillet. Dégagement belge. Giret contre favorable aux Belges. Vandenberg. Pour Meuse, Mahuela qui peut passer à Bottis. Giret. C'est bien joué tactiquement, c'est bien joué. Seulement toujours. S'appuie derrière Rankin. Rankin. Longue transversale, toujours pour Vercauteren. Et Mahu qui concède le sixième corner. Trois par mi-temps, trois en première mi-temps et le troisième après le repos. Dans l'analyse du match, on s'apercevra que c'est Vercauteren avec sa position excentrée sur le côté gauche aura fait beaucoup de mal à l'équipe de France. Personne là-bas, si Milcan, Marc Milcan qui vient pour reprendre ce ballon, centre sur Mahu, une deuxième chance. Et cette fois-ci dans les bras de Iyar qui relâche son ballon, Larios, pas trop de mal, et la touche est pour les Français. Alors que sans compter les petits arrêts de jeu qu'il y a eu en cette partie, il reste un quart d'heure à jouer. Un quart d'heure pour essayer de marquer un but à cette redoutable équipe belge, si bien organisée sur le terrain. Bottis. Larios. Giret face à Kuhlmann. Six. X qui se bat et qui s'est fait mal là-bas sur le côté dans un choc avec Rankin. Il se relève en boitillant alors que Paf dégage. Vercauteren. Janvion pour Lopez. Giret contré à son tour. Lopez. Bottis, Six. Eh non. Giret perd le ballon. Perniatinski aux prises avec Mahu. Oui, il va amener son ballon sur le côté droit là-bas. Fait. Attention, deuxième poteau, Vandenberg. Oh là là, Janvion qui met un corner alors que Vandenberg était absolument seul. Oui. Vous avez vu intelligemment que Perniatinski est parti sur le côté droit. Et adressé un centre au second poteau. Heureusement, grâce à son pied gauche, Gérard Janvion a sorti ce ballon du pied de Vandenberg. Non, la balle n'est pas dans le l'arc de cercle. L'arc de cercle, il faut la remettre. Voilà. Je soupçonnerais Vercauteren de l'avoir fait exprès pour gagner quelques secondes. Oh là là! C'était un tir de Marc Milcan qui passe juste du poteau. À côté du but de Thierry Quillard. Et les Français remontent par Lopez et Larios, Platini. Ça va être très très difficile. Meuse. Vers Perniatinski, tête de Mahu, Bottis, Milcan, Cook, Mahu, Larios. Bien joué Jean-François. Il faut se débarrasser du ballon maintenant. Ah, oui. Ouais. Il a un... Ah non.
Faute du Belge. Oui, une autre faute. C'est parti, les Belges. Oui. Millepoint. Le Belge était à quatre pattes. C'est lui qui protégeait le ballon. Giresse qui va taper ce coup franc. Beaucoup de Français en pointe. Larios pour Giresse. Et les Belges qui jouent leur jeu. Avec Coleman revenu très loin en arrière. Qui a pris le ballon dans les pieds d'Alain Giresse. Qui va ouvrir sur le côté gauche, voilà, pour Vandenberg. Oh, un poulet de canon de Erwin Vandenberg, mais qui passe au-dessus du but de hier. Et ces trois attaquants belges sont très très bons dans les contre-attaques. Ils ont une facilité de course que n'ont peut-être pas les Français. On a encore vu Vandenberg se mettre en position de tir favorable là. Vandenberg qui, rappelons-le, a été soulier d'or. Ils arrivent en tout cas très souvent en surnombre, les Belges. Larios. Stopira. Oui, faute de Yannick Stopira sur Luc Milcamp. Sur le Milcamp barbu, c'est-à-dire le défenseur central, Luc. Alors qu'on est entré maintenant dans les 10 dernières minutes de la partie. Mahut en touche directement pour Verkotteren. Dimaco, Janvion. Baek. Excellent râteau de Baek. Verkotteren, qui a vu que Hier allait sortir et qui lui a adressé un centre-tir. Mais le gardien Bastien ne s'est pas laissé surprendre. Lopez. Platini. Bien écarté sur le côté pour Bossis. Max Bossis. Bossis. Giresse. Tir de Giresse à côté. Oui, premier tir de cette deuxième mi-temps. Il a alors qu'il reste 10 minutes de match. Oui, il a fallu attendre la 37e minute de la deuxième mi-temps pour voir un tir adressé sur le but de Pfaff. En l'occurrence, celui-ci. Minutes, c'est encore possible pour les Français de refaire leur retard. Sur le but de la rencontre, sur la physionomie du match, ce serait peut-être un peu flatteur, mais enfin. Lopez. Six. Coupe de la tête. Vandenberg. Faute de Tchernia, monsieur Palotai. L'arbitre laisse jouer Lopez. Bossis. Et Bossis essaie de repartir. Dimaco. 1-2 avec Platini. Platini dans les 16 mètres. Michel a frappé. Oui, il a frappé quand même sur cette remise de Dimaco. Et c'est Milcamp, Santaclan, qui a concédé ce sixième corner. Égalité quant au nombre des corners, 6 partout. Dimaco. Tête de Cook. Six. Et perd le ballon, Six. Et ils sont 5 rouges contre 3 bleus, 4 rouges. Mose, Cerniapinski, face à Janvion. Mose. Oh ! Et un but magnifique sur cette action au premier collectif. Vandenberg. Erwin Vandenberg marque un but extraordinaire. Priorité numérique à la fin. Produite par Meuse ici pour Tchernia. Tchernia va venir fixer Janvion. Chercher au deuxième poteau. Et Meuse va remettre pour Vandenberg qui en pleine foulée trouve la lucarne gauche du but de Pierre Iquillard. 2-0 pour la Belgique à la 38e minute de cette seconde mi-temps. Un but extraordinaire de Erwin Vandenberg. Jean-Michel vous disait tout à l'heure qu'il avait été il y a 2 ans soulier d'or et qu'il le justifie ici. Il avait déjà marqué un but au Parc des Princes.
Et encore très malheureux au départ de cette action. Un ballon perdu par Didier Six ici devant les bancs des entraîneurs. Girès, Larios. Girès à nouveau. Non, vilain geste de Jean-François, vilain geste inutile. Complètement, oui. De Jean-François sur Marc Milcamp. Marc Milcamp qui reste au sol. Le voilà se relevant. Dégagement de passe. Lopez. C'était un but tout à fait bien conçu de la part des Belges. Ah oui, qui était une fois de plus arrivé en surnombre. Oui. Platini. Non, il n'y a pas faute de Platini. Larios. Six. Et regardez comme Vandenberg n'hésite pas à revenir derrière pour tacler Didier Six et écarter le danger momentanément. Cette équipe de Belgique donne l'impression d'un bloc tout à fait soudé. Il n'y a pas d'improvisation. Girès, Larios, Meuse. Encore un contre, toujours mené par Meuse. Sur la droite là-bas, pour Chernia. Il cherchait Coleman en position d'avant-centre, Cook, Vandenberg. Vandenberg a roulé sur le ballon, mais c'est encore Marc Milcamp qui récupère cette balle. Cernia sur sa droite, Vandenberg au milieu, préfère Cernia. Ah, il perd le ballon là, Bossis, Six. Ballon perdu par les Français, mais récupéré par Alain Girès. Et Larios, Topira, ah non. Et ils reviennent à grandes enjambées, les Belges, ils sont beaucoup plus agressifs. Plus oui. Vive que les Français. Très agressif dans le bon sens du terme. Oui, toujours vers côté terrain, côté gauche. Une équipe belge qui n'aura pas usurpé son succès, c'est le moins que l'on puisse dire, et qui mérite amplement de rejoindre les 24 finalistes de la prochaine Coupe du Monde. Alors, c'est un petit peu la débandade côté français. On peut le dire maintenant, Jean-Michel, les Belges ont leur billet en poche. Oui. À partir du moment où ils ont atteint le total de 11 points dans ce groupe extrêmement serré, les Belges peuvent considérer qu'ils sont en Espagne. Ils ont donc pratiquement un an maintenant pour préparer le mondial. Six va faire la remise en jeu pour Zimapo. Il reste 5 minutes. Oula ! Une balle ratée, mais sans problème puisque Paf a pu s'en saisir. Et Thierry, je voudrais revenir sur la qualité tactique de cette équipe. Ce n'est pas par hasard qu'elle forme un bloc. Ces Belges-là sont réunis souvent en stage. Ils font de nombreux matchs amicaux. Et nous, malheureusement, on s'est contenté d'un petit match contre Stuttgart avant une fin de saison aussi cruciale que celle de 81. On s'est contenté d'un petit match et il est évident que les automatismes que nous avons ne sont pas aussi au point que ceux des Belges. On peut regretter ce manque de préparation, même si l'on considère que le calendrier est quand même très chargé. Un nouveau corner en faveur de l'équipe belge, le cinquième en deuxième mi-temps, toujours tiré par Vercoterren. Mésentente entre Bossis et Pierre Iquillard. Peut-être que c'est la première fois que le Nantais joue avec le gardien Bastiais. Lopez. Une des dernières attaques françaises. Bossis. Lopez. Six. Lopez. Vers Topira. Mike. Mike qui est mieux que remplacé. Meuse. Et non, une faute de Topira, l'arbitre laisse jouer. Janvion, Platini, Six. Six toujours et corner vraisemblablement. Corner, voilà. Oui, corner. Le septième et le quatrième en deuxième mi-temps en faveur de l'équipe de France, menée 2-0.
Il aura, en fin de compte, Jean-Michel fait illusion que pendant une vingtaine de minutes en première mi-temps. Oui, le premier quart d'heure. Jean Vion est sorti de hier. Oui, le reste du temps, c'est-à-dire pendant une heure et quart, les Français ont été dominés. Ils n'ont pas réussi à exprimer leur jeu. Car ils sont tombés sur une équipe belge. Platini. Une bonne équipe belge, une très bonne équipe belge. Très très bonne équipe belge. C'est avant tout ce qu'il faut dire. Son titre de vice-champion d'Europe n'est pas usurpé. Long changement d'aile pour Tchernia. Aux prises avec Bossis là-bas. Cherche le petit pont et obtient un corner. Oui, Tchernia qui a des mots avec Bossis. Bossis, on veut lui dire, il faut dégonfler un petit peu la tête. Alors qu'en fait, on joue la dernière minute de la partie. Long corner que va récupérer Philippe Mahut. Mahut. Dimako. Dimako. Mahut. Oh. Et Mahut signalé hors jeu. Il était signalé hors jeu, il y avait une faute sur Dimako. Mais M. Palotta siffle le hors jeu de Philippe Mahut. Changement demande de rancun, mais je pense que Vitesse va laisser les 11 mêmes joueurs sur le terrain. D'autant que l'on joue les arrêts de jeu là. On joue les arrêts de jeu. La pendule du tableau lumineux s'est arrêtée à 45 minutes. Rancun. Marc Milkamp, grand pont sur Bossis. Et récupère le ballon, mais coup franc et fin du match. Et fin du match sifflé par M. Palotaï sur la marque donc de 2 buts à 0 en faveur de l'équipe de Belgique. Un but de Tcherniatinski à la 24e minute de la première mi-temps. Et un but de Erwin Vandenberg à la 84e. Je crois que c'est une victoire, comme doit le dire actuellement Michel Hidalgo à Guitaï. Il ne se discute pas, Jean-Michel Larquet. Oui, une victoire méritée. Les Belges ont été mieux organisés, plus simples, plus tranchants. Le score de 2-0 reflète parfaitement la physionomie du match. Nous avons perdu ici au Heysel. Nous n'avons pas encore le résultat du match Hollande-Irlande. Mais tout se jouera dans un mois à Dublin et dans 2 mois au Parc des Princes contre la Hollande. Nous souhaitons que l'équipe de France retrouve ses esprits car depuis quelques mois, il faut avouer que l'élan du football français est quelque peu interrompu. Au niveau